Salut à tous et à toutes, c'est Cœur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'excellent Dan Dadan, un manga du Shonen Jump sorti en 2022, je me rappelle. J'avais eu les deux premiers tomes il y a deux ans pratiquement. Et donc, ça va parler un peu d'une fille qui va croire aux fantômes et d'un gars qui va croire aux ovnis. Et ils vont vouloir se prouver l'un à l'autre que les deux cas existent. Ça va être assez hilarant à commencer. Donc du coup, avant de commencer euh, ce tome numéro 1 de Dan Dadan, n'hésitez pas à suivre aussi les playlists. Je les mets souvent à jour pour euh, que vous pouvez voir vos programmes. Bien évidemment, c'est comme à la télévision. N'hésitez pas. On va parler d'une demoiselle, d'une lycéenne plutôt, qui en fait sortait avec un gars. Et du coup, en fait, ce gars était totalement un mec, euh, bien évidemment un opportuniste. Et elle, elle lui dit Quoi T'es bouché Soit tu m'avances de la thune, soit c'est mort pour le rancard d'aujourd'hui. Ouais, en fait, c'était un peu le gars qui lui demandait de la thune contre un peu son rancard. Quoique, il y aurait une autre option Tu me laisses enfin tirer mon coup, mais c'est toi qui payes le Love Hotel. Ouais, un opportuniste d'argent. Du coup, elle était totalement pas d'accord qu'elle lui fout un coup de pied, sauf que lui, il le contre. Et elle lui dit Si c'est un coup que tu veux manger tout ça, mais tu me fais quoi là du coup, elle essaye de se défendre comme elle peut, et bien évidemment, le gars est tellement un fou qu'il lui faut un coup de pied et lui dit "Vas-y, faut te calmer. Tu saules comme meuf, sérieux. T'es pas un rond, t'as pas un rond, et en plus, t'es pas foutu d'écarter les cuisses. Dégage. Ouais, non, mais c'est un peu un gros pervers aussi. Il faut pas l'oublier, il faut pas l'oublier. Et du coup, bon bah voilà, elle s'est fait rejeter. Bon, finalement, il va la larguer. Et du coup, elle va voir ses potes en disant Consolez-moi les filles, c'était mon premier copain. On t'avait prévenu qu'il craignait grave ce type. Et d'abord, qu'est-ce que tu lui trouvais Bah, rien. C'est juste qu'en fait, c'est un gars qui profitait un peu de des demoiselles, quoi. Et en fait, elle, elle pensait qu'elle avait un look à la Ken Taku... Takakura. Donc, Ayase pensait à ça. Parce qu'en fait, c'est son acteur préféré de cinéma. Mais elle dit Je suis j'aime jamais je trouverai un mec comme Ken. Et j'ai personne pour me remonter le moral à coup. Le monde est trop cruel, sérieux. Là, ah, tu m'étonnes. Et du coup, en fait, il voit un gars qui a des lunettes, un peu un geek, entre guillemets. Et du coup, euh, finalement, euh, il se fait un peu harceler parce qu'il se fait lancer des boules de papier. Finalement, Ayase va le voir. Et en fait, elle lui demande Qu'est-ce que tu lis Et donc, en fait, euh, elle lui dit euh, Ils font moins les malins tout à coup. Décidément, tous ces blaireaux. J'ai besoin d'un défouloir pour évacuer mon stress. Momo assez Oui, elle s'appelle comme ça. Mais finalement, elle l'a un peu aidé à s'affirmer, entre guillemets, parce qu'elle se faisait harceler par trois gars. Et en fait, euh, il vient voir et il dit T'es un fan Quoi Bah, tu es fan euh, du paranormal, un truc comme ça. Pour qu'une fille, dans ton geste, m'adresse la parole, elle doit forcément être accro. Ou plutôt un fan de lui, quoi. Je ne vois pas d'autres explications. Comme il y a un malentendu. Je cherchais absolument pas à draguer, oh bah surtout pas. Mais bien évidemment, je parlais pas de moi. Ah bah voilà, un fan du paranormal. Et donc en fait, il lui montre que bah en gros, Barack Obama était déjà allé sur Mars, bon etc. Toi aussi t'es un fan de culte. Voilà, c'est ça qu'il voulait dire. Et elle, en fait, elle dit euh, que elle croit pas trop aux ovnis. Et dis pas les ovnis, c'est un terme, c'est les panis. Pour phénomène aérospatial non identifié. Ouais, bon, bah, Rick, pour rien à <laughs> C'est marrant. Du coup, voilà, ils vont essayer de défendre leur argument. On a Ayassé qui va dire que finalement, euh, elle, elle kiffe, c'est les fantômes. Et lui, il dit que c'est les ovnis. Oui. En fait, ils vont se défendre. Et du coup, ils se bagarrent un peu pour prouver l'un à l'autre qu'ils ont raison. Et en fait, Ayassé a eu l'idée du défi pour le partager. Si j'arrive à te prouver que les fantômes existent, en échange tu deviendras mon larbin. Et bah si je vais te montrer qu'un ovni, enfin je veux dire un panini, tu seras bien forcé à reconnaître la vérité. Et c'est toi qui deviendras ma boniche. Ah bah super. Ils vont se défier pour savoir qui sera le larbin de l'autre. <laughs> bon, finalement, Ayase va dans un vieux CHU pourri. Et du coup, en fait, c'est un endroit où apparemment il y a des ovnis, ce que dirait l'occulteux ou le bigleux. Du coup, elle euh, se balade dans cet endroit. Elle a un peu peur. Bon, tu m'étonnes. Euh, euh, Peut-être qu'il y a des ovnis. En plus, c'est un endroit un peu glauque. Pendant ce temps, euh, le Bigleu, il va dans un tunnel. Et du coup, lui aussi, il, en fait, il va se mettre dans un endroit. Finalement, bon, bah, les deux vont essayer de se prouver l'un à l'autre qu'ils ont raison ou tort. Euh, bon. Et du coup, euh, bien évidemment... On a euh, Momo Ayase qui dit le pire de tout c'est quand j'avais quand celui pour qui j'avais le béguin s'est foutu de moi oui parce que en fait euh, si vous voulez euh, en fait elle faisait toujours un signe pour aller, euh, euh, pour aller à l'école pour prouver à sa grand mère que bah ça craignait pas ou en fait qu'il y avait euh... c'est en fait un geste porte bonheur et du coup elle en a vachement voulu à sa grand mère parce qu'elle a causé d'elle et son truc ridicule, je passais pour une tarée. Oui, parce qu'en fait, elle faisait un signe pour dire que c'était un signe pour le bonheur. On est resté longtemps sans se parler bah, par rapport à ce geste stupide. Et du coup, ça ne la supportait pas. Et en fait, elle aimait pas qu'on se fichait de sa famille. Ça la mettait hors d'elle. De, J'ai fini par comprendre qu'au fond, ce n'était pas d'être moqué par mon coup de cœur de l'époque qui m'avait fâché. J'avais les boules parce qu'il s'était fichu de ma grand-mère. Eh bah, tu m'étonnes. En fait, le fait qu'elle se faisait moquer alors qu'elle faisait juste un signe euh, très stylé ou très aux esprits, bah, elle se faisait moquer d'elle. Mais finalement, en fait, sa grand-mère, elle l'adore parce que, euh, en fait, c'est grâce à elle. Elle est médium, donc euh, oui, c'est ça. Elle est médium et du coup, en fait, elle l'a un peu aidé à croire aux fantômes. Et c'est voilà, c'est pourquoi, c'est pour ça qu'elle croit aux esprits parce que sa grand-mère est médium et que. Elle pense qu'il y a des esprits. Et du coup, voilà, ils se discutent tous les deux par téléphone interposé. Finalement, on a le Big globe qui voit un petit. Euh, fantôme. Non, pas fantôme. Oui, fantôme, exactement. Et on a la vieille qui lui dit Je te laisserai, je te laisserai les Chémélibards. Si tu me laisses te popeldar. Oh, bah, super hein euh, Attends, ne, sur, ne fuis surtout pas. Oui, bah, comment tu veux qu'il ne pas alors que la vieille, elle lui dit déjà. Ah, bah, je peux te le popper le dard si tu veux. On dirait un abbé qui va butiner une ruche. Et si Mémé Turbo te bat la course, elle te maudira. Ah, bah, super, il, il a commencé à détaler comme un lapin. Sauf qu'il l'entend pas, c'est trop dingue. Bouge, ne bouge pas, je te rejoins. Et en fait, on a Yacé qui rencontre des ovnis. Bon, bah, ces ovnis, euh, ils sont en mode psychopathe. Ils veulent, euh, bah, je pense, sa peau. Tout simplement. Bon, finalement ils arrivent à l'attraper et ils déchirent ses fringues. C'est un peu bizarre quand même comme méthode. Moi je pense que j'aurais pas fait ça. Bah bon, non. Le respect des femmes avant tout. Monsieur les ovnis. Elle se fait carrément étaler en quatre. Euh, Pourquoi il y a deux mains Ah non, c'est juste le relief. Et du coup, euh, bah limite en culotte soutif, c'est un peu chelou, quoi. Euh, ils vont lui faire des expériences. Et carrément, euh, elle lui dit, bonjour humaine fumelle, nous sommes les serpents. Nous avons appelé ainsi qu'un venu de la planète Chapeau. Des aliens Vous n'avez pas peur de nous sommes ici en paix. Ah ouais, qu'est-ce que je fous attaché en petite tenue alors Où sont mes vêtements Ouais, c'est un peu bizarre quand même. Hein, parce que ces ovnis, euh, ils sont un peu. Déjà, ils l'appellent Bonjour humain femelle. Euh... C'est un peu bizarre. T'appelles pas quelqu'un dans la rue euh, Bonjour humain femelle, ça va Ça va très bien Oui, nickel. Non. Et carrément. Bah déjà ce qui est bizarre c'est qu'il sort un... un pieu de son engin. C'est bizarre. On dirait un casse-noisette qui sort. Nous allons maintenant pratiquer à l'acte sexuel. Après cela nous prélèverons vos utérus et vos organes de Nicto pour vos recherches. Ah non merci le mec avec qui je sortais était une merveilleuse. Mais même s'il pouvait être lourd j'ai réussi à me protéger ma virginité. Eh bah protège ta virginité parce que là t'es un peu foutu. Je me suis préservé pour le Ken. Takukakura que j'ai pas encore eu de la chance de rencontrer. Pas question de me faire déflorer par une mandaline répugnante. Ah bah tu m'étonnes. Déjà que il te sort un casse-noisette de ses burns. C'est trop bizarre. Et en fait, on a un monstre chelou. Bah je crois que c'est Mémé Turbo, il me semble. Et ouais, en plus on a un deuxième monstre, je crois. Et c'est en train de se battre. Ouais, c'est un deuxième monstre. Ou non, c'est Mémé Turbo peut-être. Il est en train de vinglaguer euh, les ovnis. Bah c'est. On sait pas. Euh, J'ai été maudit par mes turbo, mais quel con ce bigleux. Ah oh, bah tu m'étonnes qui a été maudit. Qui est donc cet individu Une intrusion par smartphone interposée. <laughs> ouais, totalement. L'occulteur C'était la première fois que nous rencontrons une personne si agressive. Jusqu'ici, nous avons une relation amicale avec les humains. Alors ayez l'obligeance de nous donner votre banane. <laughs> Putain, mais quoi <laughs> Non mais on en parle de Cette phrase, mais assez elle a pris ma défense. Bah oui, parce que peut-être que vous êtes, vous êtes, amis, vous avez des croyances, vous, vous avez prouvé l'un à l'autre que en fait vous croyez que ces croyances existent. Alors ne vous avisez pas de la toucher. Compris Je vous lui fais, je vous interdis de lui faire mal. Et du coup, en fait, elle la protège. Vas-y, occulte montre-lui que t'es un homme. Eh oui, vas-y, montre-lui. Sauf qu'il se fait dénoncer. Donc en fait, c'est pas un homme. C'est une omelette. <laughs> Et donc, en fait, on a carrément. Euh, je crois que c'est encore un ovni. Oui, bah, qui la maltraite. Nous ne pouvons nous lier d'amitié avec une personne aussi savage. De toute manière, mal, nous préférons les femelles. Enfin, c'est un peu trop bizarre, quand même. Bon, finalement, on continue avec euh, le petit flashback avec sa, sa grand-mère. En fait, euh, si tu veux, euh, sa grand-mère, le fait qu'elle euh, a dit que tout le monde se moque de lui, d'elle tous les jours. Excusez-moi, ne dis pas de bêtises, libérer ton qui te permet d'éloigner les mal et les accidents. Il tient le mal de l'écart. D'abord, concentre ton énergie dans le creux de ton ventre, puis fais-la jaillir par le sommet de ton crâne. Et oui, exactement, c'est une protection qu'elle fait. Mais en fait, c'est juste que le problème, c'est que le fait qu'elle se faisait moquer, elle avait peur de continuer ses gestes. Et du coup, quand elle allait euh, carrément au, pour, en primaire avec euh, ce geste, et ben en fait, elle se faisait moquer et du coup. Elle ne l'offrira plus jamais. Elle dit qu'elle déteste sa mamie. Tu une médium bidon. Pourquoi faut-il que je me souvienne de ça maintenant Pardon, mamie, c'est juste qu'à cette époque, j'avais honte. Concentre ton énergie dans le creux de ton ventre. Elle va refaire son énergie. Et en fait, ça lui a apporté un pouvoir. En fait, elle repousse avec ma psychono... psychokinésie. Exactement. Elle a des pouvoirs psychoses. Et du coup, se pourrait-il qu'en surstimulant les ondes cérébrales de cette... Ah, oh, purée, il faut que je le fasse en, en mono robot. Bon sang. Se pourrait-il qu'en surstimulant les ondes cérébrales de cette femelle, j'ai provoqué l'ouverture de ses chakras Tout était vrai. Mamie est réellement une médium. Ah bah non, c'est elle qui parle <laughs> Merci, Mamie, avec ça, je vais pouvoir. Bah, je vais pouvoir les reposer. Parce que oui, elle a des pouvoirs de psychose maintenant. C'est ça Psycho. Ouais, psychose. On va faire psychose. Du coup, elle lui fout carrément un coup de pied. Défoncer ses raclures. Bah, tu m'étonnes, on va défoncer ses raclures. Oui, bon, en sous-vêtement, euh, c'est un peu compliqué de défoncer des raclures. Mais essayons quand même. Du coup, elle le défonce carrément et elle leur fout des coups de pied en plein dans le. Bah, en plein dedans, quoi. Et en fait, on a carrément l'occulteur qui n'arrive plus à se contrôler. Elle a dit Mais à quoi tu joues, abruti C'est pas le moment, je de... te dis, de disjoncter. Ah ouais Bug system, peut-être <laughs> Débile Ah bah, tu m'étonnes. Je suis sur le cul, c'est bon, je croyais aux extraterrestres, j'ai même été enlevé. Ah bah, je n'ai aucun doute non plus sur l'existence des fantômes, j'ai été maudit. Et bah maintenant, tous les deux ont la même croyance. Ayase croit aux extraterrestres parce qu'elle a été enlevée, et o Karen, on va l'appeler le Big pour le moment, il a été maudit. Bon. Et bon, on fait quoi Excellente question. Et du coup, ça peut, cette réaction n'est juste qu'il m'a surprise en sortant la fameuse réplique de Ken. Ah, parce qu'il a sorti une de ses répliques de Ken Takakura. Bon, il faut que je me calme. Comment tu t'appelles Bah, Ken <laughs> Sérieux Il s'appelle par le nom de l'acteur préféré d'Ayase. Ça me fait de rire. <rire> ah, bah, tu m'étonnes que t'es surprise. Déjà que tu vois ton acteur qui est un bigleux. <laughs> préféré, c'est n'importe quoi. Mais carrément, elle n'arrive pas à y croire qu'elle lui fout quand un gros coup de pied. à dit Bon, on va poser une règle. Défense de prononcer ton nom. <laughs> bah, tu m'étonnes. Comme euh, tu l'occulte, dorénavant tu t'appelles O'Caron. O'Caron, ok, ça me semble correct comme prénom. Après cet incident un peu diplomatique, bon pas diplomatique, mais un peu grave, parce que bon, ils sont quand même confrontés à un ovni, et bien évidemment, euh, Ayacé s'est fait enlever par un ovni, et O'Caron s'est fait maudit par Mémé Turbo, donc un fantôme, un esprit, oui, J'te... ils vont aller chez la grand-mère d'Ayacé. Bah, chez elle, en fait, avec... Euh... Et en fait, elle lui prévient qu'elle est stricte avec les garçons. Elle a failli tuer mon ex l'autre fois. Ah bon Comment ça se fait euh, J'aurais apprécié avoir cette info plus tôt. Ah bah tu m'étonnes maintenant. Je peux flipper. Bon, finalement, il brûle parce qu'il n'arrive pas à passer le. Je crois que c'est un sort de portail de paranormal. Et du coup, en fait, je crois qu'elle lui fait un sort de psychose. Elle lui dit Ça va, Karen Désolé, j'avais le zappé le talisman. Il génère une barrière. J'ai cru que j'allais mourir. Je crois que ça risque rien si je retire temporairement. Ah peut-être. Mais est-ce que c'était la bonne solution de retirer temporairement ce, cette barrière Du coup, plus tard, en fait, ils entendent quelqu'un sonner. Et en fait, ils disent, il dit Ma grand-mère m'a expliqué qu'il y avait deux sonnettes pour les humains et l'autre pour les mauvais esprits. Et du coup, en fait, personne est là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Ils ont tous les deux peur. Ils disent Oh punaise, il bon, faut que tu dégages de là. Fonce de l'autre côté, allez grouille. Rayassez, quoi encore Je peux aller nulle part. Il y a un mur, on est pris au piège. Bah, tu m'étonnes. Qu'est-ce qui va se passer Un mauvais esprit Vous êtes des mauvaises personnes. Vous n'avez pas de famille promesse. On va parler avec cette voix comme ça. Trouvez. Donnez-moi vos parties. Oh, c'est un peu bizarre, quoi. Vos parties. Donc, nos engins, nos génitaux. Ouais, ok. Et donc, du coup, là, mauvais esprit. Et puis, je pige pas. T'as une deuxième bistouquette <laughs> Bien sûr que non! Oh, Incroyable cette phrase. Donc, déjà, quand tu lui poses la question, t'as une deuxième bis toquette, c'est un peu comme ça. On est face à un alien? C'est branchi ça me fait aucun doute. C'est le monstre de Flatwoods. Ah. Et du coup, en fait, je me posais déjà la question bah, en fait par rapport au fait qu'elle avait retiré sa barrière du coup, ça emmenait en... En le mauvais esprit. Mais lui, comme au euh, oh, Karen s'est fait maudit par Mémé Turbo. Bah en fait, euh, il peut se transformer. Il peut se transformer en... Je sais même pas, il n'y a pas de nom à sa transformation. Bon, bah, il peut se transformer. Et du coup, bon, il dit, oh la puissance euh, malade qui jaillit en moi. Et bah tu m'étonnes, t'as une puissance, on dirait un, un rang S. Bon, c'est pas vraiment un rang S, hein, parce qu'il n'y a pas de rang S dans le jeu. Pff, dans le jeu, dans le manga. Euh, Désolé, Ayase. le pouvoir de la malédiction est trop puissante pour mon corps, j'ai cru que j'allais... Me briser en mille morceaux. Bah oui, parce qu'il est maudit. Et du coup, en fait, il va devoir faire une sorte de transformation des fois. Et tout ce que j'ai réussi à faire, c'est lui trancher cinq doigts. Comment veux-tu qu'on combatte cette chose Bah j'en sais rien, moi. Pas la peine de me crier dessus. Bah trouver une stratégie, là. Il veut vos vies. Et si j'avais la solution, un galerait pas comme ça. On galerait pas comme ça. Dis voir tu trouves pas qu'il se bat comme un lutteur de sumo hein bah ben, il faudrait peut-être faire du sumo et bon en fait Ayase s'est fait un peu kidnapper du coup on a Ocaron qui dit sauve-toi mais comment tu veux qu'elle se, qu se sauve pauvre cruche là elle est coincée dans son bras et carrément elle l'étale contre contre bah, le mur en fait Allez, libère la malédiction, je te le demande, Yassé, ah, il va te tuer. Ça continue. Non, c'est bon, c'est juste assez profond. Euh, de quoi c'est assez profond euh, On va éviter les sous-entendus, <laughs> parce que là, ça va commencer à partir en vrille. Oui, bon, en fait, elle s'est fait un peu projeter contre le mur. Et elle, elle lui dit Regarde à ce niveau-là, je suis à l'extérieur du portail. Et oui, elle est à l'extérieur du portail. Et donc, normalement, ça devrait le faire. Et du coup, on va peut-être pouvoir remettre la barrière pour être tranquille. Remets la barrière, à Yassé. Et du coup, bah ouais, je crois qu'ils ont réussi à remettre la barrière et du coup, le mauvais esprit il va brûler. C'est super ça. C'est très bien fait. Finalement, ils se sont sauvés les niches et c'est très bien. On a... Ils ont très bien géré. Sauf qu'il y a eu un truc chelou, c'est que je pense qu'il a... il était incontrôlable et qu'il l'a pris un peu en mode... Tena et du coup elle essayait de se défaire. Ah a, bon, je suppose que Ocaron n'arrive pas à gérer un peu ses, sa transformation et qu'il défaut incontrôlable. Et du coup, en fait, il s'est fait un peu brûler par paranormal. Moi qui me demandais quel genre de vaurien elle allait encore ramener. C'est même pas un humain ce coup-ci, décidément, cette petite m'apporte que des problèmes. Tout ce stress va finir par cacher ma jolie peau de pêche. Et du coup, qui dit ça la grande daronne. Oui, alors vous êtes en train de vous poser la question, mais attends, normalement elle a 70 ans, elle a 60 palais. pourquoi elle a une peau de 25 ans Me demandez pas, c'est comme ça. Je pense qu'on se pose trop la question de pourquoi elle est, on l'appelle grand-mère alors qu'elle fait 25 ans. Ah, Peut-être qu'elle utilise des, euh, du savon pour s'hydrater la peau et rajeunir, quoi, c'est possible. Et donc du coup, bon bah voilà, elle apparaît, elle a une batte de baseball. Hein. Euh, comme ça, elle peut fracasser des tronches comme elle veut. Bon bah voilà, en plus euh, Je crois que c'est Ocaron qui l'attaque par derrière. Oui, parce qu'il est incontrôlable. Donc là, elle lui dit Ah non, c'est. oui, c'est lui ou c'est le mauvais esprit, je sais même plus. T'es morte, vieille greluche, je vais te déchiqueter. N'espère pas pouvoir me garder enfermé indéfiniment. Ah, mais je compte pas te garder du tout. L'idée c'est de, de te tuer. Ah, mais c'est le mauvais esprit. Voilà. En fait, c'est juste qu'elle l'a mis au caron un peu au piqué, quoi. C'est tout. Et du coup, limite, elle lui met au tapis pour, pour, avec sa batte de baseball. Je pense qu'elle doit être body peut-être. Ensuite, on va se téléporter d'une journée le lendemain. Et du coup, après qu'elle est dormi, elle sait plus qu'est-ce qui s'est passé. Bah, t'es bah, rentrée. Silence, je vois pas que je regarde Bakanoto. C'est une série d'émissions comiques dans laquelle les comédiens ne. Can... Ok. Si, mais j'ai un truc important de dire. C'est allé dans un lieu hanté, c'est ça <laughs> Ah, peut-être. Et du coup, limite, elle s'excuse. dit Je suis désolé, j'avais tort, s'il te plaît. Dis-moi ce que tu fais de, ces mauvaises... de ce mauvais esprit. Va voir dans le paillon principal du sanctuaire. Belle vue Quoi Non. Ah non, vieille, vieille brique, pas enfin, belle vue. S'il est arrivé quelque chose à O'Caron, je te le pardonnerai pas. Oui, parce que qu'O'Karon n'arrivait plus à se contrôler la veille. On se rappelle de ça. Du oh, coup, elle file. File Speedy Gonzales Elle va voir si O'Caron va très bien. C'est juste un mordu de paranormal qui voulait se faire une amie. Tout est de ma faute. C'est moi qui l'ai qui enlevé là-bas. Pardon, O'Caron. Elle s'excuse parce qu'elle pense avoir fait quelque chose de mal. Sauf que lui, il bouffe des onigiris et elle lui dit, aïe, ah, quel soulagement, tu sais, es Nestor, j'avais tellement peur de t'avoir tué. Oui, parce qu'il était incontrôlable, rappelez-vous. Et du coup, bon, petite discussion, elle referme la porte et dit, aïe, ah, alors comme ça, t'es en vie, le bigle Elle s'énerve. Ah, j'aurais préféré que je meure, que je meure, c'est ça. Ah, ce qui m'énerve. Depuis quand tu fréquentes des monstres Tu m'as fait... Ah bah, en même temps, si la grande daronne, elle vient derrière pour lui faire peur et qu'elle lui pose la question, bah, depuis quand tu fréquentes des monstres, alors que, bon... C'est pas forcément un monstre, c'est un humain fan d'OVNI. C'est ça. Et du coup, en fait, Ayacé explique à sa grand-mère, euh, bien sûr, qu'elle a un pouvoir psy, et que je suis allé dans un endroit chelou réputé d'être un coin à OVNI, et là, je te passe les détails, je me retrouve avec un pouvoir. Mais bien sûr, sauf que les OVNI, c'est du flan. Je comprends ta réaction, je pensais comme toi jusqu'hier. Jusqu'à temps qu'elle s'est fait enlever par un OVNI, qu'elle s'est dit, oh bah finalement, les OVNI, ça existe. <laughs> en tout cas, ce pouvoir psy... C'est pas du baratin. Et si je m'en sers pas pour contenir la malédiction d'Ocaron, il peut direct, il peut partir direct en cacahuète. Ah parce qu'en fait, c'est elle qui en gros gère la malédiction de qu'il a eue par Mémé Turbo. Donc ça se fait que en fait, si elle le regarde pas ou elle le gère pas, eh ben, il peut partir en cacahuète, tu m'étonnes. Eh bien, quelle idée d'avoir taquiné Mémé Turbo, tu sais très bien qu'elle quel court à 100 km heure. C'est un yokai, comme dans Yokai Watch. Ah, c'est ça. Qui sème la terreur dans tout le pays. On raconte que depuis tout le temps, elle a élu des missiles dans ce tunnel. Et quand j'ai eu vent, que je suis allé pour jeter un oeil, c'est très étrange l'endroit. Bah, tu m'étonnes, hein. En même temps, si Mémé Turbo, elle maudit tout le monde dès qu'elle gagne à la course, c'est juste qu'il faut la battre à la course pour qu'elle maudit personne. C'est tout, c'est la solution. Et donc voilà, il s'agit d'un espace sans repos qui reste attaché à un endroit spécifique, souvent en rapport avec sa mort. Or, il y en avait un dans ce tunnel. Tu comprends que ce, ce que ça signifie? Ouais mauvais esprit, il faut le pétrifier, non Il faut qu'un médium soit fou pour oser lui chercher des noix à domicile. Bah tu m'étonnes. Ah bah là on va jouer à domicile. Hein. <laughs> Mais Turbo et le Kurei ont fusionné. Ah bah en plus ils ont fusionné, c'est un peu le bazar. Bon bah du coup il faut s'entraîner. Mais lui bah oui bah sauf qu'il a aucune endurance, euh, il... c'est un faible. Il aura qu'à te porter sur son dos. Tu pèses combien Yacé Bah c'est quoi la question T'as envie vraiment de mourir Bah pourquoi tu lui demandes Je parie qu'elle est plus légère que toi. Non, sauf que c'est lui le plus léger. <laughs> Donc du coup, entraînement, ça veut dire qu'elle va devoir évoluer. Ayase ah, va devoir évoluer son poids psy. Et Ocarone va devoir se muscler pour la porter. Et du coup, tu vas aller me faire. Allez, 5 sets de 5... 5 pompes, 5 abdos, 5 extensions dorsales. Ah non, pardon, c'est 100. <laughs> 5 sets de 100 pompes, 100 abdos, 100 extensions dorsales. Et 100 squats. Hop, hop, hop. Allez, on se bouge les niches. Tu as du travail à faire. Vu que je ne pourrai pas intervenir, il faut que vous renforcez vos capacités respectives. Je m'occupe de vous coacher. Ah, bah, tu méthodes. Hein. Bon, tu crois que cette crevette va réussir à faire tous ses squats, etc. Et euh, Yassé, carrément, leur aura ajouté une couche. Elle dit Ah, oh bah, en vrai, t'avais la classe pendant le combat, mais en fait, t'es pas doué. Prochain coup aussi, c'est sûrement moi qui te sauvera la mise. Tu vas dormir ici ce soir. Attends-moi, je te ramène un futon. Il hey, y yes, tu pourrais m'apporter à boire s'il te plaît de l'alcool ça serait très important bah non il est mineur il a 16 ans bon bah voilà ils font ils parlent etc bon ça parle d'un scoop bon on a compris tant que vous y êtes vous pourrez ajouter que son plat préféré c'est le curry et pas les ramen qu'est-ce qu'on en a à couler, sérieux eh bah ouais je sais pas du tout bon bah c'est aussi le moment d'aller aux toilettes parce que bon envie d'aller aux toilettes mais qu'est-ce qu'il va faire aux toilettes il veut aller pisser. Il veut prouver qu'il a quelque chose. Allez, fonce, Forest Gump. Je ne te retiens pas. Va aux toilettes. Va liquider tout ce que tu avais besoin de liquider. <laughs> et du coup, bon, bah, je croyais qu'il allait aux toilettes. Je vois comme une flamme bleue qui émane de Karen, son aura. Quand je l'attrape et je la serre, elle rapetisse. Et ça permet de garder son... le maléfice au contrôle. Ah, bah oui, parce qu'il a une flamme. Cette flamme, je la vois partout. Mais pas forcément de la même couleur. Les végétaux ont aussi une, une même les cailloux. Ah, c'est peut-être des flammes paranormales. Je m'en saisis et la manipuler comme je veux. J'imagine les pouvoirs psy comme quelque chose de choc. chose absolue. Peut-être qu'avec son pouvoir psy, elle peut voir les flammes de tout le monde, même aussi des mauvais esprits. Mais mon rayon d'action est restreint. Quand je me suis éveillé, c'est nettement plus puissant. Parce que peut-être que Ayassé, elle peut voir les, euh, la flamme de, de Karun, et peut-être que quand il change de couleur, il doit peut-être la maintenir aussi. Bon va, bah, sauf que le petit bémol, c'est qu'en fait, il se transforme en monstre si elle... Se transforme si elle, elle ne le regarde pas, vu qu'il a été maudit par Mémé Turbo. On se rappelle. Mais ce n'est plus qu'une ombre. Le temps s'est pour. Euh, sauf pour un de nous deux. Qu'est-ce que tu lui as fait, nos fractures attaques cérébrales Je te laisse choisir la cause du décès. Mais je pense qu'en fait. Euh, euh, Mémé Turbo est peut-être dans son corps aussi. Je pense qu'il y a une partie d'elle qui est dans son corps. Donc je suppose qu'il faut en fait l'observer même quand il est aux toilettes pour pas que. En fait, la malédiction, la malédiction euh, le pèse, il me semble. Ou peut-être qu'il y a un moyen. S'agite que la malédiction est contagieuse et qu'elle ne se transmet pas à intermédiaire de ce garçon. Ce qui me donne le pouvoir de tuer tout ce qu'il voit. Alors évite de me sous-estimer, on a perdu suffisamment de temps. Viens en tunnel cette nuit, autrement dit je massacrerai tout le monde autour de ce gamin. Cette nuit, compris. Donc, du coup, en fait, euh, elle est obligée de voir euh, s'il si va bien et du coup, il coule du sang. Bon, bah, du coup, ils vont aller voir Mémé Turbo et bien évidemment, la défier. C'est pas juste Ayase, c'est toi qui en profites pour te glisser dans mon dos. Bon, voilà, ils se disputent un peu. C'est un peu comme chien et chat. À l'honneur des dames, tu m'étonnes. Et donc, là, du coup, en fait, euh, ils ont quoi comme plan Bah, rien. Pour la séparer du Jibakuraï. D'après ta grand-mère, ça l'a blesser. Ah, ça l'a faiblira. Pour que même nous, on puisse la battre. C'était le plan. Et après tout, on rétame un alien géant, ça devrait pas être trop difficile. Ah là, tu balistes il y a une minute. Bah, c'est une vioque, non. Comparé à la taille de l'autre machin, elle devrait pas être si terrible. On en verra. Et elle lui dit Elle est énorme, mais qu'est-ce qu'elle fait Du calme, tu viens de le dire. On attire hors de la ville allez, on bouge. Et on la défie. Oh punaise, ça peut un truc pareil. Elle vient vers nous. Bah, je crois que c'est mes Turbo, non Passe-moi le matos. Et oui, il passe le matos, elle gère. Et du coup, en fait, elle veut prouver à, à Mémé Turbo. En fait, elle lui dit si t'as vraiment un turbo dans les jambes, prouve-le. Et en fait, ils vont la défier à la course. Elle du coup, elle lui dit quoi tu, à qui tu crois t'adresser, petite peste Personne ne peut me battre à la course. Eh bah, tu m'étonnes. En même temps, elle court à 100 km/h. Et du coup, il commence à faire la course, il s'enfuit, etc. Elle, elle va essayer de prendre carrément, je crois, 15 minutes de retard, un truc comme ça. 3 minutes, 5 minutes. Non, je me trompe. Et du coup, en fait, Ayasse se fait vraiment avoir par des bras. Euh, je, je sais pas si c'est Meme Turbo euh, qui a, lui a fait ça. Ayase, au oh carré En fait, elle lui dit, t'as accepté de respecter les règles. Euh, 3 minutes, euh, tu te fous de pas moi. Stop, arrête tout de suite. Eh bien oui, parce qu'il y a des règles. Donc du coup, en fait, elle lui laisse moi aller chez les nibar. Bah je sais pas si c'est la solution, mais bon, il le fait. Et du coup, en fait, Mimi Turbo veut carrément la posséder, donc du coup, elle va passer en mode spectre. Et du coup, en fait, il était de mèche avec un exorciste ou quoi. Peu importe, il ne me reste plus qu'à la boulotter. La fille, ça sera pliée. Et oui, parce que. En fait, elle veut posséder Ocaron et boulotter la fille. Ah, a yeah, c'est plutôt. Et du coup, là, en fait, euh, j'ai fini par piger. Pas besoin de Dieu pour voir. Comme tu as pris possession d'Ocaron, ce n'est plus une petite flamme bleue qui est à l'intérieur de lui. C'est même toi qui, si tu trouves, je perçois ta présence. Et du coup, en fait, ils vont s'affronter, etc. Bon, à la course. Du coup, Yassé arrive à se libérer et en fait aide à Okaren à se défaire un peu de cette malédiction. Bordel, sors-moi immédiatement de ce gamin. On te vient, vieille peau, qu'est-ce qu'on va faire de toi maintenant Rendez-moi, rendez-moi Mémé Et là, c'est parti pour la course. Ils vont devoir aller courir et faire une course contre Mémé Turbo. Sauf qu'il peut Et voilà pour la fin de ce tome 1 de Dan Dadan. Qu'est-ce que c'est mon point de vue sur euh, bah, déjà ce premier tome de Dan Dadan Moi, j'ai trouvé le tome assez dynamique. Euh, on rigolait pas je rigolais pas mal il y a quand même des petits gags il y a quand même une relation entre Ayase et Ocaron très sympa même si au début bah en fait ils montrent qu'ils ont leurs croyances on voit quand même que Ayasse s'est fait insulter ou s'est fait moquer par ses camarades parce que on... quand, elle... quand elle était en primaire parce que en fait elle croyait aux au fantômes et le fait qu'elle faisait des gestes bizarres ça la faisait elle se faisait moquer on a aussi en fait une cohésion entre ces deux-là un peu d'humour et je trouve ça cool Franchement, j'ai rien à dire sur ce tome 1. J'ai trouvé ça juste assez cool à lire, assez dynamique. On part vraiment sur le paranormal et je trouve ça cool. J'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Bye tout le monde!